Bonjour Marion Coville. Coville ou Coville ? Coville. Coville. Super. Enfin, j'ai décidé que c'était comme ça. En tout cas. Alors c'est comme ça. Donc on a la chance de pouvoir parler avec toi maintenant avec Audrey, juste avant ta keynote, parce que ta keynote sera en fin de journée. Tu clôtures Mixit sur une thématique de keynote qui s'intitule les innovations intelligentes. Marion, tu es chercheuse à Poitiers. Sur quelle thématique tu cherches des choses ? Moi, ma spécialité, c'est tout ce qui va être approche féministe et approche queer des sciences et des technologies. Donc, aller regarder comment des savoirs scientifiques ont été produits, comment des technologies ont été produites, et y ajouter un peu les lunettes des études de genre, des études queer, pour comprendre justement comment, dans les processus même de conception des technologies, dans les processus même d'élaboration des savoirs scientifiques, on recrée, on reproduit aussi des exclusions, des inégalités, des discriminations qui peuvent avoir ensuite un effet sur les traitements, les diagnostics, sur la création des jeux vidéo, sur la création d'innovations techniques, etc., etc. Alors, tu as notamment travaillé sur les technologies qui sont liées au diagnostic de l'endométriose, ainsi que sur les applications smartphone autour des cycles menstruels, si je ne me trompe pas. Tu as en partie, en fait, publié certaines de ces recherches sur un site qui s'appelle femtech.hypothèse.org. Exactement. Ouais. Et honnêtement, je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas si commun dans la recherche, en fait, hein, d'avoir une chercheuse, un chercheur qui publie librement. C'est là où il en est. Parfois, c'était pas des articles, en fait, c'était un statut sur là où t'en étais de tes recherches. Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ça, en fait, en 2018, le site est assez ancien. Hein, ouais, c'est assez ancien. Là, je vais le reprendre, effectivement. Des fois, à l'université, quand je dois un peu présenter ma posture, je dis salut, moi, je suis la connasse de libriste de la composante. En fait, il y a un truc peut-être important à savoir, c'est que moi, à la base, je viens pas du monde de la recherche. Je viens d'une famille, ma mère a pas le bac, je viens pas d'une famille où les études et la recherche c'était la voie royale et ça m'était adressé. Donc j'ai d'abord un peu bossé dans le monde du travail, en particulier dans tout le monde culturel. Et moi je viens du monde de la médiation culturelle et de la médiation scientifique. Mon kiff, ça a toujours été de transmettre des choses, de faire de la médiation, d'expliquer des trucs. Et donc quand j'ai fait de la recherche, pour moi c'était évident que oui, effectivement, il faut partager son savoir et ses productions avec ses pairs dans des espaces académiques, dans des espaces scientifiques, mais pas que. C'était évident que je voulais que ça soit aussi accessible au plus grand nombre. Donc j'ai fait partie d'associations, j'ai été présidente pendant plusieurs années de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui est un collectif d'une centaine de chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le numérique et dont l'objectif c'est justement de faire un pont entre recherche scientifique et monde médiatique, monde de la société civile, justement sur des questions où on va souvent être quand même sur des discours de panique morale du type les jeux vidéo, les écrans, les enfants, les adolescents, et là d'être vraiment plutôt sur des discours scientifiques qui donnent la parole vraiment aux usagers et aux usagères. Et là, pareil, mes articles, pour moi, c'est important de les mettre en ligne. Alors déjà, effectivement, sur des blogs, avec des formats qui rendent en fait les choses accessibles à des personnes qui ne sont pas issues du monde scientifique. Comme nous. Comme voilà. Déjà parce qu'en fait ça circule et moi j'ai aussi beaucoup plus de retours comme ça, c'est-à-dire que les travaux que j'ai écrits sur l'endométriose, j'ai eu énormément de retours de la part de personnes atteintes d'endométriose qui ont pu en fait utiliser mes articles ensuite pour s'outiller face à des médecins, et ce genre de choses ça me fait vachement plaisir. Et après, effectivement, un truc pour lequel je milite à l'université, c'est que n'importe quel article que je publie, s'il a été publié dans une revue qui est fermée, qui est sous abonnement, donc avec un modèle économique, avec paywall, je le mets en ligne gratuitement sur la plateforme ALS-HS pour qu'il soit disponible gratuitement. Parce que le modèle économique aujourd'hui de la publication scientifique, elle se fait sur le dos des universités, sur le dos des chercheurs, et c'est pas normal du tout.
C'est génial qu'il y ait des gens comme toi dans ce monde de la recherche. Est-ce qu'on peut te cloner Alors écoute, je suis un bébé éprouvette. Ah, une partie de ma famille a pensé que j'étais clonée, mais mes cousins pensaient que j'étais vraiment née dans un tube. Non, mais rien, moi, on n'est pas loin. Donc ça c'était sur ce site web. En tout cas, moi c'est comme ça que je t'ai connue. Il faut savoir que Marion Coville, c'est une personne qu'on invite depuis, qu'on essaye d'avoir depuis longtemps. Moi je t'ai connue à travers ce site-là. Et c'est vrai que, juste pour clôturer la question, la réponse que tu as donnée à la question, c'est vrai que pour des gens comme nous, éloignés du domaine de la recherche, ce que tu as fait à travers ce site-là, quand tu disais tiens je vais le reprendre, bah oui c'est génial parce que ça rend beaucoup plus accessible en fait des travaux de recherche sur lesquels des gens comme nous se sentent éloignés, enfin des gens comme moi, je parle pour moi, se sentent un peu éloignés, avec pas la validation, on n'est pas chercheur, on n'est pas chercheuse, tu vois, on n'a pas cette validation, et tu as rendu vraiment accessible des thématiques qui en tout cas nous sont chères. À l'heure actuelle, tu es responsable, je pense que c'est toujours actuel, d'un projet de recherche qui s'appelle « Flux de sang, flux de données, explorer les monstres tech ». Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui, j'ai eu de l'argent pour faire mes recherches. Incroyable ! Ça fait 5 ans que j'essaye de faire financer justement mes recherches sur les applications de suivi des cycles menstruels. Et donc là, à partir de cette année, donc ça commence tout juste. Là, le début scientifique du projet, c'était le mois dernier. J'ai obtenu 180 000 euros de l'Agence nationale de la recherche pour recruter. C'est majoritairement de l'argent qui va être utilisé pour recruter des personnes qui actuellement n'ont pas de poste dans le milieu de la recherche et que je vais pouvoir rémunérer pour faire de la recherche en étant rémunérée et en ayant un statut pour faire de la recherche avec moi sur la question des applications de suivi des cycles menstruels. Sur le projet de recherche en lui-même, alors, il y a plusieurs choses qui vont être explorées. On commence à avoir des données quand même sur les utilisatrices de ces applications. On a surtout des données sur les usages contraceptifs de ces applications. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire une recherche un petit peu plus large sur qui utilise ces applications et pourquoi. Parce qu'en fait, on peut vraiment les utiliser pour plein de raisons différentes. On peut aussi détourner les usages. Donc, ça m'intéresserait déjà de pouvoir catégoriser un peu tous ces types d'usages. Et il y a une catégorie d'usagères qui m'intéresse particulièrement, qui pour l'instant n'a pas été enquêtée, c'est les adolescentes. Parce qu'en fait, en discutant notamment avec des infirmières scolaires, par exemple, je me suis aperçue qu'elles pouvaient avoir tendance à leur conseiller les applications de suivi des cycles menstruels au moment de la puberté, justement comme une aide pour comprendre son corps. Sauf que, comme c'est une population qui généralement n'a pas encore d'activité sexuelle, on n'est pas sur des usages contraceptifs, donc en fait, pour l'instant, on ne les interroge pas. On ne sait pas comment est-ce que des technologies numériques peuvent participer en fait à la construction de ton expérience corporelle quand t'es ado. Donc ça, c'est un truc qui passionne et je veux absolument continuer là-dessus. Et puis il y a une partie qui est beaucoup plus sur essayer de comprendre en fait ce secteur vraiment d'un point de vue professionnel, entrepreneurial. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Je fais des entretiens avec notamment des entrepreneuses françaises qui se sont lancées dans la Femtech pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a poussées, d'où elles viennent, quelles difficultés elles ont connues, notamment difficultés de financement, et explorer aussi justement toute la question de la protection des données, de la production de données scientifiques sur le corps des femmes qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, c'est plein de choses qui vont m'intéresser et le but final du projet, encore de la médiation, c'est d'essayer de bosser avec le planning familial et avec d'autres structures d'éducation pour voir si on ne peut pas proposer à la fin des modules de formation, par exemple, aux bénévoles du planning familial et aux bénévoles l'éducation à la vie affective et sexuelle, pour justement leur donner aussi les billes sur les questions d'éducation aux médias numériques, parce qu'il y a vraiment une question qui est hyper liée entre éducation aux médias numériques, éducation à la vie privée et éducation à la santé sexuelle. Et l'idée, ça serait d'essayer de croiser ces trois trucs-là pour faire des petits modules de formation qui soient à dispo. Et évidemment, ce sera disponible sur Femtech. C'est pour ça en fait que je vais reprendre ce blog. Ça va être le blog qui va me permettre de donner des petits points d'étape et essayer aussi de continuer à produire, comme j'avais fait, des petits articles sur vulgariser ce que c'est que les approches féministes de sciences et techniques, etc. Ok.
Cool. Tu me diras quand tu veux parler, parce que je ne vais pas parler toute seule. Vas-y. Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Si on s'éloigne un petit peu du domaine de la recherche, moi, ce que je trouve intéressant, hein, c'est que quelque part, ce que tu fais, c'est très perméable. Tes activités militantes, activistes, ton travail de recherche, en fait, s'embrassent quelque part les uns dans les autres. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Tu as co-organisé et participé à un festival qui s'appelle Les Monstrueuses, où tu dis on part des règles pour parler en fait d'enjeux sociétaux et pas seulement de physiologie. Ça, c'est un truc qui m'a marqué en fait quand tu expliques ça dans je ne sais quelle interview et tout ça. Tu peux nous en dire plus un peu là-dessus, sur cette approche-là? Alors en fait, les Monstrueuses, donc c'est un festival à la fois scientifique et culturel qu'on a monté avec Héloïse Morel, qui est médiatrice scientifique à l'Espace Mendès France, qui est le centre de sciences de Poitiers et des environs, et Stéphanie Tabois, qui est sociologue à l'Université de Poitiers. On l'a monté en 2020, je crois que la première édition était début 2021. Et l'enjeu dès le début, effectivement, c'est de créer des rencontres scientifiques, de créer des rencontres culturelles. Donc, c'est-à-dire des journées d'études, des ciné-débats, des concerts, des ateliers fanzines, des ateliers sérigraphie, toutes ces choses-là, avec effectivement l'idée que le point de départ, c'est la question des menstruations. Qui est une question qui va avoir des enjeux biologiques, physiologiques, médicaux, mais plus largement, si on s'intéresse aux menstruations, par exemple, du point de vue de la sociologie, ben, on va s'intéresser aux enjeux économiques, aux enjeux sociaux, aux menstruations sur le lieu de travail, à l'éducation des jeunes filles, par exemple, au moment de la puberté. On peut s'intéresser à la précarité menstruelle. On peut s'intéresser aux différences entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça va toucher à la question des hormones. À partir du moment où on parle de la question des hormones, on peut parler aussi des transidentités, de plein de parcours de soins différents. Donc l'idée, c'était plutôt de se dire, étant donné qu'on fait des rencontres qu'on veut pluridisciplinaires, parce que c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans le centre de sciences de l'Espace Mendès France, c'est qu'ils ont vraiment une mission de médiation des sciences au sens large. Donc autant les sciences dites dures, les sciences expérimentales, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et là, l'idée, c'était pareil. À partir de la question des menstruations, de faire intervenir des gens qui vont être des chercheurs en biologie, des médecins, des militants, des sociologues, des historiens, des artistes. Mais ce qui va tous et toutes, en fait, les réunir, c'est un moment, un questionnement sur les enjeux liés aux rapports sociaux de genre et donc à la manière dont on va utiliser des différences biologiques pour justifier des inégalités sociales. Super intéressant. Ouais. Et la prochaine édition, c'est au mois de novembre à Poitiers. C'est déjà connu ? Ouais. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est du 19 au 22 novembre à Poitiers. Avec et le samedi, on fait un super atelier fanzine. Et cette année, ce sera normalement un fanzine sonore. Mais eh bien, écoute, tu nous as vendu le truc. Il faut qu'on prenne notre billet de train. C'est bon, c'est réservé. La personne que tu citais qui a co-organisé ce festival, si je ne me trompe pas, tu la retrouves aussi dans une co-direction de livres. Oui, hein, tout à fait, les deux. Ouais. Idées reçues sur les menstruations, corps, sang et tabou. Même idée derrière ce livre, en fait. Tout à fait. Ouais. En fait, ce livre, c'est vraiment l'aboutissement des trois premières années du Festival Les Monstrueuses, où on a recontacté les chercheuses qui ont participé, mais aussi des militantes, des artistes, pour produire un livre. Là aussi, c'est vraiment un livre de médiation, de vulgarisation. On est sur des articles assez courts. Enfin, je vais parler en signe, je ne sais pas si ça va te parler, mais en gros, un article de recherche, c'est plutôt entre 30 000 et 80 000 signes. Là, on est sur des articles de 10 000 signes. Ouais, donc, quand même beaucoup plus ramassé. Plus synthétisé, avec aussi des petits encadrés encore plus petits. Moi, j'ai fait un encadré spécifique sur l'emoji règle qui n'existe pas vraiment et sur derrière tous les scandales et les polémiques qu'il y a eu du côté de Unicode, justement, sur la présence ou pas d'un emoji règle. Donc voilà, on essaye de brasser très large, mais voilà, l'idée, c'était un peu de réunir toutes les personnes qui ont participé et qui nous ont soutenus pendant le festival pour faire un livre. C'est notre bébé. Ce livre est disponible à la librairie lyonnaise qui s'appelle Librairie à soi, librairie féministe et queer.
C'est là où je voulais t'emmener, chérie, demain. Demain. On ira faire un petit tour. L'après-midi, on a. Je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Audrey et moi avons prévu une après-midi tranquille, toutes les deux. On s'est réservé 2 heures toutes les deux. Voilà. On se fait régulièrement des petites sessions en amoureuse. Écoutez, voilà, c'est notre quotidien, on vous le partage. Et on passera dans cette librairie qui diffuse ton livre, et c'est comme ça que j'ai découvert aussi. Disons-le. Je voulais juste terminer sur une chose que tu m'as dit hier soir, et je pense que j'étais tellement choquée du fait de ne pas savoir ça, que ça ne sache pas assez. Je pense que c'est bien de le redire. L'endométriose peut faire aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Alors pour replacer un petit peu le contexte, donc je suis atteinte d'endométriose. J'ai eu aussi, pour des raisons complètement différentes, un diagnostic d'autisme il y a quelques années. Je savais effectivement qu'on pouvait demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé dans le cadre de l'endométriose, puisque c'est une maladie qui est invalidante, ouais, incapacitante, et dès lors qu'il y a invalidité et dès lors qu'il y a des difficultés dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle, on est en situation de pouvoir demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et je ne l'ai pas fait au moment de l'endométriose parce que j'avais déjà tellement de maltraitance et de problèmes vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de mon traitement. On m'a quand même forcé pendant des mois à prendre un traitement qui en plus ne fonctionnait pas et qui aujourd'hui est de toute façon interdit puisqu'il provoque des méningiomes. Coucou le Luteran. Coucou le Luteran. On aime. Notre ami le Luteran. Ouais, et donc voilà, je ne l'ai pas fait. Et en revanche, quand j'ai été diagnostiquée du trouble du spectre de l'autisme, j'ai été diagnostiquée dans un moment assez particulier à la suite d'un burn-out, où j'étais en plus en pleine dépression, où j'avais des problématiques de harcèlement dans mon travail. Et donc là, par contre, la question de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, elle ne s'est même pas... Enfin, c'était évident, quoi. Ouais. C'était nécessaire. Et c'est comme ça que j'ai obtenu des aménagements. Et en obtenant mes aménagements pour l'autisme, je me suis aperçue à quel point, en fait, il m'était utile et nécessaire pour l'endométriose. Parce que avoir comme aménagement, par exemple, la possibilité de basculer en télétravail ou d'assister à n'importe quelle réunion en visio sur simple demande et sans que personne n'ait quoi que ce soit à me dire, ni quoi que ce soit à me refuser, mais en fait, ça m'a changé la vie. Et ça, effectivement, on ne le sait pas assez. C'est-à-dire que vraiment, quand on est dans une situation invalidante liée à l'endométriose, on peut demander une RQTH et ça peut donner lieu justement à des aménagements. Alors, c'est pas un parcours hyper simple, hein, le formulaire de demande MDPH, il est assez funky. Mais effectivement, il y a vraiment une nécessité à faire reconnaître l'endométriose comme un handicap. En fait, la plupart du temps, les patientes atteintes d'endométriose, puisque je le suis moi aussi, sont orientées vers l'ALD, donc la reconnaissance affection longue durée. Sécu sociale ou... Alors, c'est ce qui permet que la Sécu doit couvrir la totalité de tes frais médicaux, sachant qu'en réalité, parce qu'effectivement, dans les traitements qui sont proposés, il y a des traitements qui sont... pas remboursé. Donc moi, mon traitement n'est pas remboursé, mon traitement est à ma charge. J'ai la chance que ma mutuelle le prenne en charge, mais... D'accord. Voilà. Et donc, l'ALD permet ça, en fait. Sauf que obtenir l'ALD, c'est déjà un enfer. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, et on n'est pas orienté sur le RQTH, alors qu'effectivement, je peux confirmer ce que tu dis. Il y a des moments où c'est totalement invalidant, en fait, où tu as envie de travailler, mais tu peux pas... Enfin, tu es plié par le mal, donc voilà. Mais en fait, ce que tu pointes de manière plus générale, je pense que ça indique vraiment, en fait, le coût cognitif, le coût vraiment en termes d'énergie et de temps que toute personne handicapée, en fait, va vivre, c'est-à-dire toutes ces démarches administratives extrêmement complexes où tu es toujours placé en position de demander, voire de quémander quelque chose auquel tu as le droit, et où on est toujours en position de pouvoir te le refuser sans vraiment d'explication, et tu passes ta vie, en fait, à faire ce genre de choses, tout en devant à côté gérer le travail, la vie privée, comme tout le monde. Avec tous les impacts, sachant que
tous les aspects de ta vie sont impactés. Enfin, il n'y a pas un seul aspect qui est épargné. Ça ruine ta vie sociale, ça rend ta vie du quotidien compliquée. C'est, voilà. Et puis, il y a quand même le sujet des violences médicales, parce qu'on on entend des horreurs pendant tout le long du parcours. Mais quand même, votre maman ne vous a pas vraiment aidé à accueillir votre féminin sacré. C'est pour ça que vous avez de l'endométriose. Là, c'est soft. Je vais pas sortir les pires trucs que j'ai entendus parce qu'on va choquer des gens. Mais il y a des... Ça peut aller loin. Ça peut aller très très loin. Ça peut être très violent, très, très vulgaire, très culpabilisant. Voilà. Et puis... J'avais un autre point, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui était lié aux violences médicales, mais ce n'est pas grave. Voilà. Ah oui, si, oui. Alors si vous pensez, parce que c'est une réflexion, je ne sais pas si tout le monde la fait souvent, parce que là, régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais alors, là, ça s'améliore, on en parle, donc c'est que les gens... c'est bon, les médecins, ils savent maintenant. » Toujours pas. Voilà. Hein, je suis désolée de vous l'apprendre. Les gynécos pratiquent encore beaucoup de violences gynécologiques à notre rencontre. C'est pas parce qu'on en parle qu'ils sont au niveau. En général, nous, on en sait plus qu'eux. Donc, c'est problématique aussi. Ça se passe mal. ça se passe pas très bien. Voilà. On en profite pour passer un petit message militant. Très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Marion, on te retrouve à 16h50 pour ta keynote. Les innovations ont-elles un genre ? Et merci encore. Merci.